Yeah! Salut à tous, salut Pokémon, Romy d'ailleurs. Alors, c'est pas souvent que vous me verrez à la caméra, je vous fais ce petit plaisir, c'est pour tester un nouveau logiciel. Donc, voilà, on va faire une petite émission de rétro gaming, tout simplement. Et j'avais trouvé un thème intéressant qui me tient à cœur, c'est la bande dessinée. Et je me suis rendu compte, tout simplement, que les jeux que nous avions testés étaient sans faire exprès. J'ai pris 4 jeux que j'ai trouvé pas trop mal au niveau bande dessinée à tester. Donc il se trouve que ce sont 4 jeux de la NES. Il se trouve que ce sont 4 jeux, vraiment sans faire exprès, 4 jeux infogrammes. Alors on va tester Astérix, Lucky Luke, Spirou et Schtroumpf. Il se trouve aussi qu'en vérifiant sur jeuxvideo.com, ce sont des jeux qui ont tous les 4 jeux à peu près la même note, c'est-à-dire 14 et 15, tous. Donc bon bah voilà, j'étais pas trop de mauvais choix. Ça a été dur d'en trouver des sympas parce que y a pas grand chose. Donc voilà. On va commencer déjà, je vais vous mettre des petites pubs. Comme c'est des jeux Nintendo, je vais partir, comme c'est une petite émission. Je suis sponsorisé par Nintendo. J'aimerais bien. Et on va commencer par se mettre une petite pub. Des petites pubs de l'époque Nintendo. Vous allez voir. Le temps que je prépare à mon petit streaming. Donc c'est parti, mon kiki. Nintendo, la nouvelle intelligence des jeux vidéo. A tout de suite, avec Amico Gamer, ou Amico d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle émission de vos aventures. Présentée par Tonton Bertie. Des aventures dont vous êtes le héros. Des scénarios passionnants et pleins d'humour. Des heures et des heures de jeu. Et pour la première fois au monde, des cassettes à mémoire qui enregistrent vos résultats. Avec Asterix. Nintendo, plus c'est d'intelligent, plus c'est d'amusant. Nous avons doté le Nintendo Entertainment System du premier robot vidéo interactif, du premier pistolet photosensible et de la gamme la plus vaste de jeux populaires. Le résultat... Rob le robot. Le numéro 1 mondial du jeu vidéo présente le Nintendo Entertainment System, le vrai jeu de puissance. Quel sera l'avenir avec le système Nintendo? Avec des nouveautés comme Mario Bros. Ou encore l'extraordinaire Kung Fu. Nintendo vous offre les plus grands succès des jeux d'aventure. Organzali, la chasse au canard. Ou encore Baseball. Ou Excite Bike. Et vous ne pourrez y jouer qu'avec le système Nintendo. Donc vous verrez, si vous faites une émission comme c'est sur du rétro, on va rester rétro dans toute l'émission. Je précise aussi qu'il se trouve, toujours par hasard, que les jeux que j'ai trouvés, sélectionnés, sont plus des jeux qui datent de 92 à 95. La console Nintendo, c'est super. Avec elle, revivez toutes mes aventures. Je vais la voir derrière moi, si vous faites attention. Dans Dragon Ball, mon jeu vidéo. Dragon Ball, exclusivement sur console Nintendo. Bien sûr. Donc voilà, je teste ce nouveau petit format d'émission. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît en enfant. Donc, je relance un petit peu. C'est vraiment marrant, les petits épisodes. Et on va commencer maintenant. Tracez votre chemin au Basica et délivrez la ville des diaboliques robots et de l'horrible Shredder. Dans Teenage Mutant Hero Turtles, toute la saga des Tortues Ninja. Exclusivement sur console Nintendo. Partez avec Super Mario 2 pour une aventure encore plus explosive. Affrontez des ennemis étranges et diaboliques. Puisez la force de vaincre dans votre habileté et votre intelligence. Super Mario 2, une nouvelle aventure dont vous êtes le héros.
Super Mario 2, exclusivement sur console Nintendo. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. Bon voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, faut pas abuser. Je sais que je suis payé par Nintendo, mais quand même. Donc, c'était juste pour le fun, vous mettre des petites pubs de l'époque. Et donc, on est parti pour Astérix. Alors, Astérix. C'est parti, mon kiki. Je précise que je joue avec RoboStation. Je joue avec RoboStation parce que c'est bien pratique pour filmer et tout. Avec l'émulateur SNESX 9X, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc ouais, aussi petite nouveauté, bah, c'est pour ça que je fais une vidéo, une petite émission que j'essaye. Vous voyez qu'il y a des images sur les côtés, il y a un petit truc qui défile. Enfin bon, on essaye de se professionnaliser, entre guillemets. J'espère que ça vous plaira. Moi, ça me fait bien plaisir de le faire, en tout cas. C'est déjà l'essentiel. Donc voilà, Astérix. On va mettre en français. Donc le but de l'émission, c'est de faire... c'est pas vraiment une émission instructive, c'est plutôt de choisir un thème. Là, c'est la bande dessinée. Les bandes dessinées que j'ai bien aimées, justement. Et les jeux qui ont été bien faits pour moi, bien retranscrits. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est une catastrophe. Hein. J'aurais pu vous en faire pas mal, mais... J'ai voulu vous faire Tintin, mais je sais pas si je vous le ferai, parce qu'il n'y a pas eu vraiment des Tintins super. Il y en a eu un, Objectif Lune. Alors vous voyez, ça commence, le conseil du village, nanana. Je vous laisse lire. Donc le but de cette vidéo, c'est pas vraiment informatif, c'est plus de vous donner envie de jouer à des vieux jeux. Et puis ça va être des petits gameplay courts de 10 à 15 minutes par jeu. Et puis entre deux, j'essaierai de vous faire 2-3 délires, comme la pub que vous avez vue. Mais bon, là c'est une première, donc il n'y aura pas grand chose. Et quelques petits reportages, mais là c'est vraiment... ça va être une émission pour le fun, on va tester les 4 jeux. Donc je vous dis, là c'est Astérix, après il y aura Lucky Luke, Spirou et les Schtroumpfs. Donc ça peut être rigolo, pour ceux qui aiment bien la bande dessinée. Et bon, je vous ai déjà dit, hein, que des jeux de Super Nintendo. Allez, c'est parti. Que des jeux de la SNES, Super Nintendo. Celui-là il est sorti sur NES aussi, en 93. Et c'est sur Super Nintendo. C'était la fin de la NES et le début de la Super Nintendo. Et moi j'y ai beaucoup joué et je l'adore. Donc je sais pas si j'ai encore le niveau d'avant, mais je l'ai terminé plusieurs fois. Allez, un joueur, c'est parti mon kiki. Donc on va essayer de vous montrer ça. C'est un jeu à la Mario, hein. C'est tout simple. Un bouton pour courir, un bouton pour sauter, un bouton pour taper. Voilà, sauter, taper, courir. Donc quand on court, on saute plus haut. C'est tout bête, hein. Je vais pas vous faire le gameplay de ce genre de jeu, c'est tout simple. Donc plateforme, mon style personnellement préféré, pour ceux qui me connaissent. Donc là on va essayer de récupérer quelques petites pièces qui nous servent à avoir des vies je crois, au bout de 100 pièces, hein, classique pour les jeux de l'époque. Donc là une potion d'invulnérabilité, mais il faut quand même que... Alors on peut pas les tuer les hérissons. Il faut quand même... Je suis invulnérable, mais il faut quand même que je les tape. Hop. Donc voilà, j'espère que le live marche bien. Car là, c'est vraiment une émission totalement live. Vous verrez quand je passe des pubs ou des bêtises entre deux. Ou quand on va changer de jeu. Ou mince. C'est totalement du live. Donc c'est sympa, en fait. On peut désormais, avec la technologie, réaliser sa petite émission comme ça, en live. Hop. Donc vous voyez, il y avait des petits passages secrets. Classique. Par contre, là, je reviens en arrière, je crois. C'était juste pour choper les pièces, en fait. Boum, boum. Parce que là, je me rappelle, il faut que je tombe. Il faut que je descende en bas, sur la gauche. Donc voilà. Oh, merde! C'était pas là. Bon, vous allez voir pourquoi je me suis trompé. Vous allez comprendre. On recommence à zéro. Classique, hein, dans ces... Les jeux à cette époque, il n'y avait pas beaucoup. C'était rare, les checkpoints. Il y en a quelques-uns. Celui-là, il faut terminer les niveaux. On reprend au niveau. On a fini. Après, c'est un niveau de grotte, vous allez voir. Si je perds à la grotte, je recommence à la grotte, mais on recommence toujours au début du niveau. Lorsque l'on perd dans celui-ci. Hop, les petits nuages qui vont bien, la petite serpette. Ça me donne 10 pièces d'un coup. Classique aussi, hein, c'est comme les grosses pièces sur Mario. Oh merde, celui-là, je me fais baiser à chaque fois. Regardez, là, il faut que je descende là. D'accord, on est OK.
Oh, j'ai dû louper un truc là. Ah ouais, c'était là, putain. Mince, mince. Donc voilà, on peut dire que de ce jeu, ça va pas être compliqué pour moi. J'ai voulu vous faire une petite fiche de tous les jeux, mais ça va être très simple puisqu'ils sont tous développés et publiés par Infogrames, les jeux que nous verrons dans cette émission. Si on peut appeler ça une émission. Donc voilà, les petites chauves-souris là, on peut lutter en sautant, etc. Bien sympa, hein, les araignées. Un jeu vidéo sans araignées, quoi. Ça n'existe pas de toute façon. Et sans caverne, et sans chauve-souris. Trouvez-moi un jeu vidéo où il n'y a pas de rat, ni de caverne, ni de chauve-souris, ni d'araignée. Un jeu de plateforme en tout cas. C'est rare. Allez, un petit jeu. Trouvez-moi un jeu où il n'y a pas de rat, ni de chauve-souris, déjà. Caverne, bon, je ne sais pas trop. Ça peut se trouver ça. Mais sans rat et chauve-souris. Vous verrez, il y en a dans tous les jeux. Même sans parler que des jeux de plateforme, hein. Dans d'autres jeux. Dans tous les jeux. Bon, il y en a, hein. vous allez réussir à me couillonner, je le sais. Vous allez en trouver, mais... Bon, ben voilà, niveau en terminé. On va se faire un petit gameplay de 10-15 minutes, hein. Je vous dis par jeu. C'est parti, mon kiki. Alors... Ah, on est dans la Bretagne profonde, là. Regardez les menhirs. Donc à préciser que dans les 4 jeux nous allons... Ouh là là, je bafouille. Dont nous allons parler dans cette émission. C'est pas facile de jouer et de parler en même temps, comme vous le savez. Je crois que c'est tout pour tout le monde pareil. Donc, dans les 4 jeux nous allons parler dans cette émission... Oula, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve aussi par hasard, mais vraiment par hasard aussi, que en plus des jeux Infogrames d'à peu près la même année, tous de Nintendo, c'est de Super Nintendo, il se trouve aussi que ce sont tous des jeux tirés de bandes dessinées belges. Bon, à part celui-là. Voilà. Donc je vous l'ai mis en premier. Après, ça sera que de la bande dessinée belge. Spirou, Lucky Luke. Et les Schtroumpfs, c'est totalement belge du jeu. Alors Astérix, qu'est-ce qu'on peut dire sur Astérix? Vous connaissez tous, hein. On peut dire que c'est dessiné par Uderzo, que c'est écrit et scénarisé par Goscinny. On peut dire que Goscinny, il est mort avant Uderzo. J'ai pas bien révisé, excusez-moi. Uderzo est mort il y a très très peu de temps. C'est très récent. Goscinny a dû mourir il y a une quinzaine d'années. Hein. Oh là, mince! Donc là, le truc typique, hein, j'étais sur un nuage, je savais qu'il s'écroulait en plus. Mais bon, comme je parlais. Voilà, Uderzo est mort il y a très peu de temps. Il est mort dans l'année, ou il y a un an ou deux maximum. Il avait repris, lui tout seul, les éditions, avec les éditions Albert Erroné Goscinny. Astérix à la mort de Goscinny. Je trouve que c'était un petit peu moins bien. C'est un sacré scénariste, hein, Goscinny. Pour ceux qui connaissent le petit Nicolas, il a fait le petit Nicolas aussi. C'est Sampé, le dessinateur, qui illustrait. Et lui, il faisait le scénario, donc c'est pas mal. Vous voyez, il a fait Astérix, le petit Nicolas. Il a fait plein d'autres trucs, hein, mais bon. Je vous cite les trucs les plus connus dont je me rappelle. Oula, ouf. Hop. Donc vous voyez, voilà, en émulateur, là, je trouve que c'est parfait. Hein. J'ai beaucoup de souvenirs de jeux-là sur la Nintendo, Super Nintendo. Et j'ai pas de souvenir que c'était vraiment bien ou mieux. Je jouais avec une manette de Xbox, c'est parfait. Franchement, c'est impeccable. Voilà, après, je sais que c'est pas bien l'émulation, tout ça. Oh mince! Je suis désolé, j'avais le jeu. Je l'ai plus, je l'ai perdu, mais je l'avais. Alors, hein, d'abord, je l'ai déjà acheté au moins une fois dans ma vie. J'avais été à 14 ans. Je m'en rappelle très bien. Ah, vous voyez, il est fixe qui m'aide, là. Il était mort, le mec, là. Je sais pas s'il va revenir. Petite potion, allez, on y va. On go, 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 tout chousse. Allez. Allez, je vais
terminer ce niveau-là quand même. Donc voilà, un jeu de plateforme bien agréable, hein, franchement. C'est pas le meilleur non plus, mais regardez, ça retranscrit bien le dessin animé par rapport à la technologie de l'époque, c'est bien fait. On s'y croyait vraiment à l'époque, hein. Bon, c'est vrai que maintenant, on pourra avoir aussi beau, voire même plus beau que la bande dessinée en... Oh ! Graphiquement parlant, mais... Oula, fini. Donc continue, voilà. Alors c'était ça, ce jeu-là, il n'y avait que 3 continues. Il fallait gagner le continue, en fait. Donc ça, on l'a gagné, je ne sais plus comment. Peut-être avec les pièces aussi. Allez, on est reparti. Je termine ce niveau. Quand même. Donc... Oui, là, il est en train de lui mordre le cul. Je sais pas quoi. Bon, ça m'aide, quoi. C'est marrant, c'est mignon. C'est tout mignon, c'est Astérix. Ah, Astérix, le patrimoine français. La culture française. Donc, tu vas devenir Astérix. Que va devenir Astérix, étant donné qu'il est mort. Je sais qu'il y a la fille de Goscinny qui s'occupe de ça de près. Mais y aura-t-il des nouvelles BD? Oula, y aura-t-il des nouvelles BD fidèles mais faites par des nouveaux dessinateurs? Comment cela va-t-il se passer? Oh merde, mince. Je pense pas qu'Astérix va s'arrêter en si bon chemin. Allez, concentration, je ne parle plus. C'est super. Oh. Allez. Donc c'est quoi mon problème en fait là depuis tout à l'heure? Vous allez voir que quand je vais arrêter de parler, ça va aller tout de suite mieux. Allez, hop, c'est simple pour l'instant. Je comprends pas qu'est-ce que j'ai. Donc. Hop, hop, hein. Petit saut. J'ai tendance à toujours appuyer sur courir, moi, dans ce jeu. Des fois, ça me joue des tours. Il est vachement bien caché, lui, dans son... Alors, voilà, c'est un petit peu obligé que je me fasse toucher, quoi. Merde. Oh là là, j'ai plus qu'un cœur, là, ça craint. Il faut que je mange du sanglier. Ah, d'accord, c'est quand je prends l'os que ça le... Ok. Quand je libère un os, ça... Ça rend furieux mon petit idée fixe. Bon voilà, acte 1, 2 terminé. On va aller au suivant juste pour commencer. Je termine ma vie. Jusqu'à ce que je crève en fait. Et on passe à autre chose. Je vais vous remettre quelques petites pubs en attendant. À l'ancienne. Le temps de lancer l'autre jeu et tout. Et on va se retrouver très vite, les amis. Donc, pour ceux qui connaissent pas la bug, il y a l'adresse qui défile en haut. Mince. Donc apparemment là les décors ne changent pas beaucoup. Un peu déçu. Je me rappelais pas. Mon souvenir ça a changé. Hop. 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 D'accord, je peux récupérer plus de 3 cœurs. C'est vrai. Alors vous voyez là, dans Mario, vous souvenez plus de Mario évidemment. Quand on se baisse, on tombe. Là non, on se baisse juste. Quand on se baisse, je veux dire, ça fait toboggan et puis s'il y a des ennemis sur la route. Ça les tue, là non. Hop. Ouh, oh, c'est vicieux ça. Alors ça c'est pas mal, c'est que les sangliers, on peut les tuer facilement et ça donne à bouffer un cœur à chaque fois. Intéressant. Ah je me rappelle d'ici. C'était déjà. Ça commence. C'est nouveau, ça commence à être chiant. Un peu plus dur quoi, on va dire. On va essayer de. On va essayer d'aller vite là pour avancer un peu quand on est invincible. Voilà, je suis plus invincible, alors je vais arrêter un peu mes bêtises. Oula. Hop. 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 Oh là, regardez, il fallait juste toujours rentrer sur le côté là. C'était. Pff, c'est chaud quoi. Ah mince! Voilà, bon bah écoutez, vous ne verrez pas plus loin, les amis. On va se quitter ici pour Astérix. Et
On se retrouve dans cette super émission rétro avec un petit coup de publicité. Si j'arrive à la retrouver, à l'ancienne. Voilà. À tout de suite, les amis. Les ombres noires attaquent. Défendez-vous. Devenez grand maître en arts martiaux. Pour un ou deux joueurs, des missions fabuleuses dans Double Dragon et Double Dragon 2. Sur console, Nintendo. Fameux Mario. Super Mario. Super Mario dans Super Mario 3 de Nintendo. Zelda ! Entrez dans la légende de Zelda. L'aventure dont vous êtes le héros. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous des ennemis diaboliques. Frappez-les de votre épée magique. Ah là là, j'en ai passé du temps sur celui-ci. Découvrez ses secrets. Plongez dans l'aventure. Sauvez la princesse. Zelda ! Zelda ! Zelda ! La légende de Zelda. Exclusivement sur console Nintendo. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. Voilà, les poteaux. On se retrouve et je vais lancer Spirou, les amis. Let's go pour Spirou. Donc vous voyez, je vais sur HomeStation, ma liste de jeux, Spirou. Alors ça c'est que mes jeux Super Nintendo. Hein. Spirou, Spirou, Spirou. Et je trouve qu'on va tester tout à l'heure. Spirou. Je sais pas pourquoi je vais faire Spirou d'ailleurs tout de suite. J'ai envie de faire Spirou. Voilà. Jouer. Let's go for Spirou. Donc, Spirou, c'était développé en 93, je crois. Non, en 95, hein, c'est un 5. Par Infogram, toujours. Développé et idée par Infogram. Infogram, le fameux. Donc, ils ont fait beaucoup de jeux, mais je ne savais pas qu'ils avaient fait autant de jeux de bande dessinée, en fait. Tirés de bande dessinée. Donc, français. Donc là, le jeu, j'avoue, je n'ai pas révisé mon jeu. J'ai joué une ou deux fois chez un pote qui avait une Mega Drive à l'époque. Car ce jeu est sorti sur Super Nintendo et sur Mega Drive. Vous voyez que les graphismes, quand même, ils étaient bien péchus pour l'époque. Hein. Alors moi, je suis un grand fan de Spirou, la bande dessinée. Enfin, j'y étais. Maintenant, je trouve ça un peu trop enfantin, mais c'était une des grosses lectures de ma jeunesse. J'avoue, quand j'ai vu le jeu pour la première fois, je trouvais ça super. Alors maintenant, quand je le vois, je trouve que c'est vachement pixelisé et que ça fait très pixel art. C'est toujours beau. À l'époque, on voyait pas que c'était pixelisé, c'est ça qui est drôle. On se rendait pas compte que c'était pixelisé à ce point-là. Voilà qui arrive, voilà qui arrive, Spirou Fantasio. Les fameux reporters. Hein. Donc il y a Spirou, Fantasio, Spip, le petit écureuil. Là, c'est le comte de Champignac. Le comte de Champignac, un espèce de savant fou. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'était une bande dessinée réalisée par Franquin. Comme je vous disais tout à l'heure, un grand de la bande dessinée belge. Alors, Franquin, lui, il est mort dans les années 80. C'est pas tout jeune pour ça. Pour ceux qui ne connaissent pas toujours, hein, je suis quand même très connu. Il a fait Gaston Lagaffe. Aussi. Il a fait Spirou et Fantasio. Aussi. Il a fait un album très connu qui s'appelle Idées Noires. Avec vous. Beaucoup de bandes dessinées avec un humour très noir. Beaucoup de pages de bandes dessinées avec un humour très noir. Ouais, il a fait plein de trucs. Là, je vous ai cité les plus connus. Je vous ai dit au début, cette émission n'est pas très informative. Hein, c'est vraiment pour jouer ensemble, découvrir les jeux. Sinon, c'est trop compliqué pour moi. Donc, on commence. Donc, déjà. Ah, je croyais que c'était moi qui jouais. Ah non, d'accord. C'était la démonstration. Super.
Go. Faudrait peut-être que je commence. Donc voilà, hop, ça vous l'avez vu. Boum. Ça c'est super bien fait quand même, hein, l'appareil photo avec le chapeau mythique de Spirou. Alors Spirou, pourquoi il est déguisé en groom? Pourquoi il est habillé en groom? On l'a jamais su, les enfants. Soi-disant, quand on lit le petit Spirou, que... Quoi, je peux rentrer là? On peut monter là. Donc on peut rentrer dans les portes déjà. Merde, ça commence bien. Soi-disant que ses parents étaient groom, c'est de père en fils, en fait. Donc en fait, on peut récupérer des chapeaux, super. C'est toujours un jeu de plateforme. Hein. Je vous dis, il se trouve aussi que c'est tous des jeux de plateforme, ce que l'on va traiter dans cette émission. Donc là, c'est pareil, hein. Marcher, courir, sauter, c'est tout pour l'instant. Marcher, courir, sauter. On peut pas taper, voilà. Bon. Il faut aussi récupérer tous les chapeaux. Alors c'est pas mal, hein, moi je trouve, c'est bien pixelisé. Mais ça a du charme maintenant, à rejouer. Alors, je pense que c'est pour ça que moi les joueurs rétro... Mince, j'avais pas vu le chien. Reprennent du poil de la bête en ce moment, c'est parce que... Le côté pixelisé, là, c'est devenu vraiment... artistique, presque, maintenant. Vous voyez pas ça comme ça avant, je suis super content que ça se fabrique comme ça. Enfin prendre le jeu vidéo plus au sérieux. Ah, regardez comme c'est mignon là, le petit pigeon. Ah ouais, puis alors faut que je pas que je passe quand les pigeons ils picorent, j'imagine. Sinon je me fais alors hop, voilà, je passe par dessus. Spip, je sais pas s'il peut m'aider à quelque chose. Certainement il va m'aider comme il est fixe dans le jeu Astérix d'avant. Quand il y aura des méchants, on va voir ça. On va pas choper les... On va essayer d'avancer, non. On va dire que les chapeaux, on s'en fout. Je pense qu'ils sont faciles à prendre. Alors, vous voyez, quand je saute, normalement, ça me fait aller là. Quand je saute en appuyant sur courir, ça me fait aller là. Normal. En courant. Hop là. On évite le chien. Oh, gentil, le chien. Alors, ouais, là, je me rappelle. Oui, par contre, je me rappelle. C'est marrant, ça. Je me rappelle que j'étais bloqué ici déjà à l'époque. Ça fait donc 20 ans. Il faut monter là, j'en suis sûr. En plus, c'est ça le pire, que j'en suis certain. Il n'arrive pas à monter. Qu'est-ce que c'est que ce Vince? Ah, c'est parce que j'avais pas appuyé assez haut. Voilà. Il faut repasser par l'autre côté. Ça, je m'en rappelle. Ah ouais, vous voyez, j'étais pas sûr. Le pigeon a picoré juste au moment où je passais, hop, ça m'a fait tomber. Un truc tout con, quoi, mais bon, c'est rigolo. C'est bien fait, je trouve, hein. Voilà, il faut y aller en loose dé. Par là. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est où l'énergie par contre? Parce que je me fais toucher, mais... Ça doit être ça en fait, alors les chapeaux qu'on récupère. C'est l'énergie peut-être, non? Parce que j'en ai plus de 4. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça va me faire aller en bas. J'ai passé cette putain de bagnole. Est-ce qu'on peut pas sauter par-dessus? J'étais obligé de faire le tour. Exit, d'accord. On a fini. Premier niveau fini. Oh yeah! Donc Spirou, bah, étant donné que Franquin est mort assez tôt, enfin, je vous dis dans les années 80, si vous voulez, vous allez voir hein, sur Wikipédia, Franquin, F-R-A-Q-U-I-N. Et bah, ça a été repris, vous voyez, on se posait la question pour Astérix, qu'est-ce qui va se passer maintenant que Uderzo est mort? Et bah, si ça se passe comme pour Spirou, Spirou ça a été repris à diverses reprises par plein de dessinateurs. Alors moi, à mon époque, j'aimais beaucoup quand c'était Tom et Jean-Henri qui les faisaient. Tom et Jean-Henri, qui sont assez connus pour d'autres bandes dessinées. Vous voyez, là, on est au pays des jouets. Mais il y en a eu d'autres.
Là actuellement c'est encore, encore des nouveautés, j'en ai une, j'en ai acheté un il y a pas longtemps. Enfin au moins d'en faire un. Mais je ne me souviens pas, enfin c'est pas mal. Ils n'étaient pas tous aussi bons. Mais il a toujours existé, donc vous voyez. Malgré la mort de l'auteur. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh mince! D'accord. Sympa la petite thématique lorsque l'on meurt. Avec ça, je peux monter là. D'accord. Celui-là, j'y ai pas beaucoup joué. Hein, à l'époque, et. Oh là 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 là, je refais la même erreur à la con. Mince, mince, mince. Ouais, cet effet exprès, c'est parce que j'aime bien voir cette petite cinématique. Si on peut appeler ça comme ça. Allez, go. On essaie de passer ce niveau. Voilà, j'ai 24 petits chapeaux. Je ne sais pas quoi ça sert. On va voir si quand je me fais toucher, j'en perds. Chapeau, si c'est mon énergie tout simplement. Ah donc en fait Spitz lui montre le chemin, c'est ça? Donc il me dit qu'il faut aller par là. Pff, troisième fois que je meurs de la même manière, mais n'importe quoi moi. Ah. Donc n'hésitez pas à venir me voir ou à dire dans les commentaires pour ceux qui me connaissent pas si vous voulez que je traite d'un autre sujet la prochaine fois. Alors, on peut s'accrocher, ça je ne savais pas, et d'un autre jeu. Les jeux en bande dessinée, mais je pourrais très bien faire la prochaine fois le cinéma ou les jeux dans n'importe quoi. Ah d'accord, je suis dead déjà, je peux pas recommencer. Ta-ta-ta-ta. Password. Oh regardez, on va tricher. On va tricher, on va aller voir les mots de passe. Oh, oh, au lieu de vous mettre de la pub, on va tricher. Alors, on va aller voir sur jeuxvideo.com tout simplement. Oui, je vais sur chez Turbet. Jeuxvideo.com. Je crois que j'ai vu des codes là-bas. Spirou. Spirou sur Super Nintendo, Spirou. Alors ça m'étonnait, hein, il testait déjà la Super Nintendo à l'époque, hein, c'était en quelle année? En 95. Vous voyez, infogramme. En 95, jeuxvideo.com faisait déjà la Super Nintendo. Enfin, c'est vrai que c'est vieux jeuxvideo.com. Astuces. Toutes les astuces de Spirou. Oh my god! Je n'ai pas le mot de passe. Mot de passe. Spirou. S-N-S. Mince, on va bien trouver un mot de passe quand même. J'ai pas envie de me retaper le premier niveau. Mot de passe Spirou, SNES. Apparemment, il faut mettre Spirou, Fantasio, Speed dans le bon ordre. Le mot de passe de la mission poursuite est... Ah, bah on va faire la mission poursuite. Cyanure, Fantasio, Champignac, Spip. D'accord. Hop. C'est reparti, mon kiki. Donc, le mot de passe. Vous voyez, bah, je vais vous montrer comment on cheatait à l'époque, c'était très compliqué. On achetait un petit magazine, plusieurs petits magazines, en librairie, hein, bien sûr, magazine papier, qui nous coûtait la moitié de notre argent de poche. Et voilà. Dans les magazines, ils nous disaient le fameux code. Évidemment, vous pouvez s'échanger entre amis, heureusement.
Donc Cyanure, moi je connais Cyanure, c'est elle, c'est l'ennemi juré, le Spirou. Jolie petite fifille au demeurant, mais pas sympa. Après Fantasio, après Champignac, donc c'est le comte de Champignac, les Spip, les Tiroy. Ça devrait nous mettre à la poursuite. Ouais, ça marche. Mon dieu. Donc vous voyez, c'est très compliqué de cheater à l'époque. Le problème, c'est qu'il fallait les avoir, les codes. Donc souvent, je vous dis, il fallait acheter les magazines. Bon, moi, je les volais, hein, faut pas le dire. Mais... Ouais, il me dit que j'ai la poursuite, mais... Ah, la poursuite, voilà. Cool. En même temps, la poursuite, je connais pas. Ah, d'accord. Alors, je suis dans un... Ah, c'est carrément un shoot'em up. C'est carrément un shoot'em up à scrolling horizontal. Oh, je connaissais pas. Oh, c'est moche. Mais effectivement, alors, vous voyez, le vaisseau dans lequel Spirou il est, là, c'est un truc qui a été bricolé par le comte de Champignac. Le comte de Champignac, c'est un espèce de jeu au trouve-tout, en fait. Qui fabrique pas mal de petites conneries, beaucoup de petits gadgets, souvent qui explosent, mais des fois qui sont très efficaces, comme là, vous voyez. Bon, là, c'est moi qui n'ai pas été très efficace, mais son petit vaisseau, il est sympa. Bon, par contre, c'est assez surprenant. Ouais. Bon, là, les immeubles, ça, c'est pas trop mal fait. Moi, je suis moins fan, je suis pas... Excusez-moi, ça m'interloque, moi, c'est justement un shoot'em up. Ils encore pour un shoot'em up, pour moi c'était juste un jeu de plateforme. Mais bon, pourquoi pas, hein. On sait pas, à part qu'il est mal fait, quoi. Vous prenez, je sais pas moi, Parodius sur la NES, une fois mieux, quoi. Mais bon. Écoutez, oh, c'est marrant. Why not, why not. Ça m'interpelle, mais bon. Je trouve pas ça très représentatif de Spirou. Bien que je me souvienne du vaisseau, hein. Alors, Fuel. J'ai du Fuel en plus. J'ai plus que 16 de Fuel. 12 de Fuel. Comment on récupère du Fuel? Comment on récupère du Fuel? Voilà. Bon. Écoutez, on va aller voir s'il y a un autre code, tiens. Continuons à tricher. Car la triche, c'est bien. Enfin, c'est rigolo. Mot de passe SNES. Là, peut-être en avoir plus de chance, parce que la poursuite, c'était pas terrible. Non, rien que ça, la poursuite aussi. Debug mode, Dawn, LL. Ok. Non. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va passer au jeu suivant. Hein. De toute façon, Spirou, il n'y avait pas grand chose à en dire, je le connais pas bien depuis. Mais bon, je pensais que c'était un bon jeu de plateforme. Une salle de jeu avec le nouveau Super Spike Bebop de Nintendo. Faites du Super Smash, plongez au cœur de l'action. Allez, tout de suite, les amis. Quatre joueurs peuvent s'éclater en même temps avec la nouvelle télécommande sans fil NES Satellite. Super Spike Bebop et NES Satellite. À deux, c'est fou. À quatre, ça défonce tout. Même à 5 mètres de distance. NES Satellite et Super Spike Bebop du nouveau de Nintendo. Le vrai jeu de puissance. Yo, vous êtes prêts les gars? On se termine les petites pubs, cette pub là, et on passe au prochain jeu. A tout de suite. Tout cela est dans Paper Boy de Nintendo. Mais sans danger pour personne, et seulement pour jouer. Paper Boy. Sur console Nintendo. Avec Picsou, partez chasser le trésor sur l'Himalaya.
Ah, qu'est-ce qu'il était bien ce jeu. On fait un reload là, il y a pas longtemps, qui est super aussi. DuckTales. Je vous conseille, hein. Alors tous les jeux qu'on joue là, enfin qu'on joue, que je joue, cette émission sont disponibles sur HomeStation en un claquement de doigts. Donc HomeStation, allez-y, faites-vous plaisir. Je sais pas encore. Je commence par aller dans une île. Puis je vais tout de suite parler au chef. Puis je vais parler le perroquet. Ensuite, je parle au bon frère, je me bouge sur la terre, je défends les hommes vides, et puis je découvre des tunnels sous la mer, et puis, oh non, mon sous-marin va s'écraser sur un rocher. Et tout d'un coup, je navigue à l'intérieur d'une baleine. Oh. Wow. De nouveau, je sors sur la piste de Nintendo. C'est comme plusieurs jeux dans un. J'ai une nouvelle aventure à chaque chapitre. Allez, go pour un nouveau jeu. On va se faire Lucky Luke. Et je trouve, tiens. Et je trouve, hein. Let's go pour les Schtroumpfs. Alors les Schtroumpfs, pareil, hein, toujours. Celui-là c'est en 94, mais les deux autres c'était 93. Bon, celui-là 94. Toujours un infogramme, hein, j'ai pas besoin de me répéter, vous savez, c'est tous les jeux d'infogramme dans cette émission. Hop. Let's go en français. Donc Spirou, bande dessinée belge aussi. Par Monsieur Peyo. P-E-Y-O. J'aime bien les Schtroumpfs, mais j'ai jamais trop lu en fait. Je connais plus ce dessin animé. C'est passé dans le club de Roté à l'époque. Oh là là, ça nous rajeunit pas. Et bah écoutez, on va essayer. J'ai déjà joué, mais j'ai pas un souvenir. Ou pareil, il a une bonne note, 14 sur 20 sur jeuxvideo.com pour l'époque. Ils ont tous 14, sauf Astérix qui en a 15. Donc, sauter. Marcher. Et même pas courir, si. Ah, si, sauter, courir. D'accord, go. D'accord. Donc, jeu de plateforme. Là, c'est mignon, franchement. Ils ont dû bien pousser la NES. La Super NES, pardon. Parce que je trouve ça super joli. Oula. Ah, c'est. C'est bien fidèle aux Schtroumpfs. Alors les Schtroumpfs, moi je collectionnais les petites figurines quand j'étais petit. Merde, oh là là, imbécile. Oh n'importe quoi. Ah, il y a une vie en haut là. Comment je fais pour l'attraper? Oula. Oula. Ce qui est un peu fou, c'est que les trucs, ils ont l'air tout gentils dans ce jeu-là, mais en fait. Ouais, ça nique. Voilà. Lui, il creuse, et en m'envoyant la terre, ça me pulvérise. Hein. Merde. Lui, c'est pareil, mine de rien, il jette de l'eau, comme ça, en souriant par la fenêtre, mais non, ça me tue aussi. Comme un petit champignon, ça me redonne. Lui, c'est pareil. Oh là là, ça a l'air dur, ça, dis donc, encore comme jeu. Bon, ça, c'est pas trop dur, encore. Juste éviter. Mince. Ouh, il y a beaucoup de Schtroumpfs farceurs là-dedans. Schtroumpfs farceurs, c'est celui qui fait toujours des conneries. Il nous fait exploser des pétards à la gueule, etc. Bon, alors là, je pense quand même que les Schtroumpfs, je me connais. J'ai plus besoin de. Oh là là! Oui, mais dis donc, c'est la catastrophe. Allez, concentration. Oh là là. Oh là là. Oh. Mais mon dieu, mais c'est le premier niveau, mais c'est super dur. Je crois que c'est pour ça que j'ai jamais dû trop y jouer, parce que c'était trop dur. Alors, à rappeler que c'est censé être un jeu pour les enfants. On va y aller doucement. Voilà, faut attendre à chaque fois. Oh là là. Faut attendre qu'il jette son truc, aller. Attendre que lui passe, y aller. Oh là 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 là, voilà, j'attends pas. Hop. Oh là 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 là, catastrophe.
Le manoir de Gargamel. Gargamel et son chat, Azrael. C'est vraiment, les dessins sont chouettes dans les, je trouve. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai jamais trouvé mieux pour en dessiner. Voilà. Donc vous voyez, je suis obligé de recommencer zéro, mais bon, de toute façon, j'ai pas été bien loin. Let's go, let's go, let's go. J'aimerais bien savoir comment on fait pour attraper les trucs en hauteur, là. Mince. Non, c'est fourbe, ça. Oh là là là. Ouh, je vais pas y jouer longtemps, celui-là, je crois. Alors, ça n'a l'air peut-être de rien en vidéo, essayez. Le sur Home Station, vous verrez. C'est chaud. Comment je fais pour acheter la ville? Ça c'est pareil. Faut pas que je prenne les petits trucs de terre, d'accord. Hop. J'ai peur qu'il jette un truc sur la tronche. Voilà. Faut que je trouve la technique par contre là. Oh de Dieu. Super dur. Oh, j'y vais à tâtons parce que... Ouais, je vais attendre qu'il lance lui. Puis j'y vais une fois que c'est lancé, d'accord. Hop. 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 Ouf. Ah merde. Ah lui c'est féroce, mais comment savoir comment ils vont arriver les trucs? En fait, c'est le jeu qu'il faut connaître par cœur, quoi. Si j'ai bien compris le truc. Hop. Vous voyez, bon, là, je commence à maîtriser un peu plus parce que je le connais. Mais impossible à faire sans connaître. Impossible, les amis. Et voilà, même en connaissant. Bon. Là, ça gère quand même, ça. Mais... Bon, là, je me débrouille pas mal. Oh, bah je me baisse pourtant. Putain, c'est bête, j'aurais bien voulu vous montrer un peu plus loin. Ah zut. Oh là 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 là, on peut pas taper hein. Ah non, je trouve que c'est gentil. Oh ! Ah, le naze ! Oh, il est beau l'écran de fin, là. Château de Gargamel. Bah écoutez, on va cheater aussi ! Allez, cheat à l'ancienne ! Ta-ta-ta-ta. Cheat à l'ancienne. Mot de passe. Comment il s'appelle le jeu ? Mot de passe. Je sais pas s'il va y en avoir, mais je trouve que ça s'écrit comment si c'est SH. H-T-U. Je trouve FNES, voilà. Donc let's go sur jeuxvideo.com, est-ce qu'il y en a? Ouais, il y en a un, le lac farceur. Écoutez, on va essayer ça. Password. Alors, vous préférez le lac farceur, la grotte grand schtroumpf?
On va aller à l'acte 9, par exemple. Donc, ça sera... Comment on fait pour changer ? Attends, déjà, il faudrait que j'arrive à changer les trucs. Ah d'accord. Oula, donc on va aller à l'acte 9, ou donc grand schtroumpf. Grand schtroumpf, schtroumpfette, hein. Vous voyez, toujours le même système. Hein. Ah, d'accord, je pouvais pas changer parce que en fait, quand c'est au maximum, on peut pas rebaisser ou remonter. Bref, schtroumpfette, schtroumpf à lunettes. Grand schtroumpf à lunettes, farceur et gourmand. Gourmand. Ah, ça ne marche pas, dis donc. Ah. Jeuxvideo.com m'aurait menti? Non, pas une fois de plus, c'est pas possible. Ils m'ont déjà assez menti dans leur test. Grand schtroumpf, acte 9, grand schtroumpf. Schtroumpf farceur, déjà ça change. Farceur, c'est ça. Schtroumpf farceur, schtroumpf à lunettes, et schtroumpf gourmand. Ah, voilà, la grotte. Merci, jeuxvideo.com, tu ne m'as pas menti. Qu'ai-je dit sur soi? Oh mon pauvre jeuxvideo.com. Donc acte 9. Heureusement qu'il y a les codes parce que sinon vous voyez comment c'est dur. Hein. Alors là, acte 9, je n'ose même pas imaginer comment ça va être super hard. Il faut aussi savoir apprécier les lumières du schtroumpf à lunettes et sous-te-guider dans les grottes. D'accord. Je plante. Apparemment, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé le code. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. C'est le destin. C'est reparti pour une petite page de publicité. Le journal. De Nintendo avec Mario. À partir d'aujourd'hui, les hors-la-loi n'ont qu'à bien se tenir. Voici Robocop. Robocop nettoie les rues en un tour de main. Il n'y va pas de main morte avec les escrocs et les criminels de toutes sortes. Les robots qui craignent et les policiers cracra. Alors, monsieur Robocop, qu'avez-vous à dire aux jeunes d'aujourd'hui? Évitez les ennuis. Et bien voilà pour les infos sur Robocop. Nintendo. Et maintenant, la rencontre de deux champions Nintendo contre Mac Tyson. Avec Punch-Out, combattez les 11 meilleurs boxeurs du monde. Esquivez leurs uppercuts, crochets, directs, déjouez leurs ruses. Sortez vainqueur de ces combats pour affronter Mike Tyson en personne. Avec Punch-Out, Nintendo frappe encore plus fort. Punch-Out, exclusivement sur console Nintendo. Yo les amis, bah écoutez, on se retrouve, on va continuer cette petite émission tranquillos, et peut-être même la conclure avec, c'est quoi le dernier jeu? Ah ouais, Lucky Luke. Alors, c'est parti pour Lucky Luke. Go, go, go. Hop. Lucky Luke. Donc, toujours à envoyer, Rome Station. Très très pratique. Donc Lucky Luke, c'est plus tard ça par contre. Tiens, 1997, toujours tiré de la BD, la BD L de Maurice.
Mori, c'est Goscinny en... Alors, Mori, c'est dessinateur. Je crois que c'est Goscinny le scénariste aussi. Après, quand il est mort, c'était plus que Maurice. Bon, à vérifier, vous vérifierez. Bon, Lucky Luke, tout le monde connaît aussi. Vieille bande dessinée belge. C'est marrant, j'y repense, c'est que des dessinateurs qui sont morts. Pour tout ce qu'on a fait. Encore un point en commun que ces jeux ont. Je vais mettre un petit peu plus fort. Le jeu. Hop. Ça m'a mis un peu plus bas. Et on va partir. Donc Lucky Luke. Ça c'est pareil, j'ai pas joué beaucoup. À mon avis, c'est parce qu'il était trop dur. Parce que je l'avais aussi. Hein. Donc oui, encore un jeu que j'avais. J'ai le droit de l'émuler. Alors je sais pas si quand les jeux on les a achetés une fois et puis qu'on les a perdus. Il faut une preuve qu'on les a encore ou comment on fait monsieur? Expliquez-moi monsieur Adepi. Hop, je file à Yuma, nanana. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire, je sais que c'est un jeu de plateforme. En tout cas, regardez pour l'instant, c'est très joli. C'est bien foutu, Lucky Luke. Faut rappeler que c'est sur la Super Nintendo. Hein. Ah, on peut tirer. On peut sauter, d'accord. Oula. Ah ouais, ça y est, je me rappelle, c'est un jeu pareil de Parker, ça. Il faut tirer avant quand les gens apparaissent, avant de se faire toucher. Ouais, c'est super dur. Alors on peut tirer en diagonale, en hauteur, en bas, mais... Oh. Il faut vraiment tirer... Parce que lui, il nous tire une fois dessus. Il faut ça leur tirer dessus avant, voilà. Plus pour récupérer des munitions. Soit connaître le truc par cœur. Est-ce que je l'ai eu celui-là? Donc on peut courir aussi, pour sauter plus haut. On peut courir aussi surtout, tout simplement. Oh merde. Bon, vas-y, on va y aller comme ça. Alors ça, si je me rappelle bien, voilà, il fallait faire ça. Ça me fait sauter, mais ça me fait sauter où? Ah ouais, d'accord, parce que le cheval, vous voyez, le cheval m'a culbuté avec ses pattes arrière. Donc il faut que je réussisse à monter en haut. Nous allons essayer. Ah oui, on voit, le jeu est un petit peu plus vieux, 97, c'est-à-dire 4, 5, 6, 4 ans après les autres, 3 ou 4 ans après les autres que nous avons vus ce soir. Enfin, dans cette émission. Et bah vous voyez, il y a un checkpoint. Il y a des checkpoints. Oula. Hop. La ville de Lucky Luke est super bien faite, hein. Regardez les arrière-plans, là. Ils ont jeté le directeur de la banque dans le puits. Aidez-nous, monsieur Luke. Ils l'ont jeté dans le puits, les viens. Mais c'est ignoble. Le puits où j'étais tout à l'heure. Donc, nous allons y retourner. Un petit aller-retour. Oula. Oh merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a tué. Vous voyez, c'est sympa la petite cinématique de fin aussi. Faut que je retourne là-bas. D'accord. Merde. Oh le con. Comment perdre des vies inutilement? Qu'est-ce que c'est que ça?
tire mon cocoteur. Viens, hop. Voilà. Il faut que je monte, je crois. Ça sert à quoi, lui? On peut pas le tuer? Ça sert à rien, machin, là. Oh là là. Comment je fais? Je peux pas passer le cheval? Donc, il faut que je retourne au puits. Ah, d'accord, j'ai de la dynamite, apparemment. Je suis bête. C'est pas ça. On va retourner chercher de la dynamite. Okay. Si j'en mets là, ça fait rien. Non. Mais dites donc. On est déjà bloqué. Hein. Oh, je trouve que c'est joli sinon. Je vois pas qu'est-ce que j'en fais de cette dynamite là. Je comprends pas. Ce truc sert à quelque chose, lui. Je peux pas sauter de là à là. Attends. Ah d'accord, il sert à rebondir. Oula, voici dans le puits. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va être le moment embêtant, hein. Dynamite. Est-ce que ça s'est ouvert? Je crois qu'il faut que j'aille rechercher de la dynamite. J'ai bien l'impression. Malheureusement. On va faire ça, puis après je vais arrêter, hein, parce que c'est pas super intéressant. Donc bah voilà, c'était pour cette première petite émission en live. Vraiment 100% live. Hein. Ok, donne-moi de la dynamite. Ah, j'en ai juste une. Aidez-nous, monsieur Lu. Hop. C'est un truc. Bon. Après, alors, il faut que je pose la dynamique, mais je sais pas comment. Allez, on va aller voir si on peut cheater. Reset game. Est-ce qu'il propose des codes? Il me semble que j'ai vu ça. Hein. Pareil, un jeu qui apparemment n'est sorti qu'en France. Oui, il n'y avait pas d'autre choix. Le beau logo infogramme. Lucky Luke. Jeu. La ville de Yuma. Le Daily Star. Non.
d'option de code. Ah, écoutez, c'est pas grave, les amis. J'espère que cette petite émission Retro Gaming vous aura plu sur le thème donc de la bande dessinée, particulièrement de la bande dessinée anglaise. Vous voyez, il s'est passé à peu près plus d'une heure, je crois. J'ai pas vraiment regardé l'heure où on a commencé. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de passer un petit moment avec vous. J'espère que ces émissions seront de mieux en mieux, de plus en plus au point. S'il y en a qui veulent m'aider, ça serait peut-être mieux qu'on soit deux, trois, que ce soit plus dynamique, etc. Là, c'était vraiment pas travaillé, mais c'était surtout pour tester Twitch. Je vous embrasse tous, et je vous fais un bisou, et on se retrouve très bientôt pour la suite, j'espère. On se termine avec la fin des pubs. Bisous, bisous, ciao, ciao. Et n'hésitez pas à visiter la blog et à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Ciao. Il n'y a qu'un mot. Solstice. Nintendo. Le journal du monde Nintendo avec Mario. Les Gremlins sont attaqués New York. Ils envahissent le Clem Center. Et d'après nos informations, seul Gizmo peut les arrêter. Gizmo, tes commentaires. Je vois, tu dois grimper à un autre niveau pour attraper la flèche enflammée. Merci Gizmo et bonne chance. Oh, il en aura bien besoin. Ici Mario pour... Gremlins 2 de Nintendo. Power Glove for your NES. Now you and the games are one. Salut à tous !